ici. Frère. Le passage que nous avons lu là, la question est posée. Lorsque je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Parce que présentement, les gens ne veulent plus donc écouter la parole de Dieu. Je suis tenté de dire même que si tu n'es pas un pasteur qui t'évertue, souvent quand tu veux parler, tu veux tenir certains propos, c'est comme si tu veux honir quelqu'un. C'est comme si tu veux donc remuer donc le couteau dans la plaie de quelqu'un. Si certains responsables de l'église ne sont pas droit, le message du passé est dénaturé. Il tue même donc la nature de la prêche du pasteur et tue même donc la nature de l'appel que Dieu a adressé à son serviteur. Les pasteurs peuvent s'élever donc vous introduire au paradis. Ce n'est pas parce qu'on a prêché de Bouddhi que tu es le prophète que tu vas aller. C'est ce que tu vis avec ton Dieu. Si ta vie n'honore pas Dieu, tu n'y rentreras pas. Luc chapitre 18, verset 8. Va lire là-bas. Voilà, il faut lire en français d'abord. Donc, on va lire en français d'abord. Luc chapitre 18, verset 8. C'est juste Luc 18, verset 8. Je lis. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Regarde-moi. L'année est nandou wabilfu. Mamieta nyamba, tebna songa bam tato. L'année sale biga sangwa, abna ya tebdunia zugu. N'aie pas peur, on ne va pas durer ensemble. Ça parce que nous sommes venus dans l'église, notre papa. Je vais prêcher du pasteur Benjamin. Le pasteur Benjamin, lui, va tirer la prière. Ou bien, si le pasteur devrait intervenir avant, c'est l'église, notre papa. Mbabi ici, frère, le passage que nous avons lu là, la question est posée, lorsque le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question est posée ainsi. Lorsque je vais revenir là, trouverai-je la foi sur la terre? La question n'est pas posée. Quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver de grosses caisses? Est-ce que je vais trouver des docteurs? Est-ce que je vais trouver donc des immeubles? La question n'est pas posée ainsi. La question est posée simplement. Lorsque je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Alléluia. 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 Mbabi ici, frère. Je veux vraiment vous demander. Donc l'église de Saxida a un grand renom. Si vous venez de cette église là, et que vous allez à l'étranger, et que vous vous présentez entre temps, les gens souhaiteraient même donc vous donner le micro pour conduire la prière. Parce qu'ils ont écho de votre pasteur, beaucoup le connaissent. Donc si vous êtes ici et que vous êtes bizarre, c'est vous qui vous honissez seulement, hein? Le pasteur fait son travail. La question est posée. Lorsque je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Parce que présentement, les gens ne veulent plus donc écouter la parole de Dieu. Je suis tenté de dire même que si tu n'es pas un pasteur qui t'évertue, la manière dont les gens se conduisent vont même être un frein pour que tu
prêche la véritable parole de Dieu. Si tu es un pasteur, donc bon, un pasteur familier, souvent quand tu veux parler, tu veux tenir certains propos, c'est comme si tu veux honir quelqu'un. C'est comme si tu veux donc le mieux, donc le couteau dans la plaie de quelqu'un. Si certains responsables de l'église ne sont pas droits, le message du pasteur est dénaturé. Il tue même donc la nature de la prêche du pasteur et tue même donc la nature de l'appel que Dieu a adressé à son serviteur. Il y a des églises, les disciples ont tout fait pour donc dénaturer complètement l'appel du serviteur de Dieu. Et c'est devenu des problèmes. Même ici, frère, je voulais vous supplier au nom de Jésus. Si quelqu'un venait à poser une action contre donc, à la morale, et si les pasteurs venaient à le conseiller, il ne faut pas donc tourner pour aller lui donner raison maladroitement. Il ne faut pas aller donc l'honorer maladroitement. Donc selon donc la doctrine de Christ, écoute là, même si le pasteur est limité en connaissance, selon donc l'affaire de Dieu, même si vous êtes vraiment intellectuel, vous êtes un docteur chevronné, si vous venez donc à trébucher, à fauter, acceptez qu'on vous corrige et que vous vous ramène la voie à suivre, parce que c'est pas pour vous honnir l'appel à part. Donc il y en a qui sont des docteurs, mais il y en a qui ne connaissent rien. C'est difficile même pour eux de lire. Mais après la lecture, lorsqu'ils vont expliquer, c'est clair et potable. Frère, si quelqu'un venait donc à trébucher, que tout le monde vienne à dire, c'est pas une haine contre toi, ce que tu as fait n'est pas concevable. C'est ainsi qu'on va s'entraider pour être donc des hommes fermes de Dieu. La Bible a dit clairement que le fouet là est réservé pour l'enfant. Mais de nos jours, quand vous regardez la manière dont on gère les enfants, vous demandez, on attend de l'éduquer ou l'élever pour aller le vendre, ou bien c'est pour qu'il vive en société. L'enfant tourne et c'est le pain, gâteau, les œufs. Tout ça là, c'est servi. Hein? Est-ce qu'on t'a éduqué ainsi pour que tu sois donc un homme fait? Selon l'intégrité réelle, si vous êtes un chrétien et que vous devez changer d'église pour aller faire le culte de dimanche ailleurs, comment est-ce que vous soyez surpris? Donc souvent il y a des situations compliquées, coriaces qui peuvent intervenir. Le pasteur doit être informé de ton déplacement. Le pasteur doit être informé que tu vas changer d'église pour le culte. C'est la preuve que Dieu et le pasteur sont maîtres de toi. Je voudrais que nous puissions réfléchir sur quelque chose. Je ne prêche pas pour que vous cotisez une offrande pour moi. Hein. Parce qu'il y a des messages quand il les transmet là. Attends, si c'est pas que Dieu va vraiment plaider pour toi, on ne peut pas faire des offrandes pour toi. Mais comme vous êtes des hommes de Dieu, vous avez tout entendu. Il n'y a pas un message que vous n'avez pas entendu ici. Mais chacun doit faire son œuvre et puis s'en aller. Alors frère, la génération dans laquelle nous vivons, les gens sont devenus des orgueilleux tout fait. Vous pouvez même gérer une famille et en temps vous cherchez même. Il y a plusieurs pères de famille qui sont devenus des misérables notoires. Vous voyez non la doctrine? Il semble que certains servants de Christ sont devenus pourris. Parce que comme on a dit que non, jamais le divorce, on a signé les papiers, tout est légalisé là. Il y a certaines femmes, lorsqu'elles vont agir, tu vas vouloir même dire, madame, s'il te plaît, tu vas me créer des tentations. Tu vas créer des problèmes. Il y en a même quand ils veulent même rentrer avec leurs femmes. Il faut vraiment faire des courbettes. Hein? Et souvent même, on tempête. Et
toi, hein. Faut te recoucher. T'es là où Nimban, hein. La misère de ce monsieur-là. Balanine joint à Nyande. Il y en a même qui ont honte. Apparatine, il ne veut pas que les gens entendent que de telles scènes se passent chez lui. Et donc, elle fait ce qu'elle veut. Quelle raison? Écoute-la. Quel chemin? Écoute très bien. Même s'il y a une mésentente, si le monsieur te désire, il faut faire pardon. Parce que c'est la crainte de Dieu qui a fait. Sinon, si dans cette génération, tu es conscient de ce qui se passe, même si tu es vraiment un fou, qui est mal, les folles ne sont pas finies, hein? Que Dieu vous donne la sagesse, hein? Parce que la doctrine de Christ là. Si vous obtenez un mari qui craint Dieu, il y a une femme qui m'a dit que son mari là, est rentré avec elle, ça vaut 3 mois. Parce que comment il a fait ce qui ne lui plaît pas, elle ne s'en fiche pas mal de lui. Il lui a dit, mais vous entendez toujours, non? Elle dit oui. Il dit, Dieu t'a donné donc un mari qui craint Dieu. À partir de ce soir-là, va te repentir devant le monsieur. Demande pardon au monsieur. Il faut vraiment lui donner un bon baiser. Parce que si c'est d'autres hommes, le temps que tu chasses là, il a pris le temps. Alors que s'il révèle ça, je ne sais pas si c'est le pasteur ne peut pas lui donner raison. Mais écoute là. On va dire que tu n'as pas bien agi. Alors frère, pour toi, il y a une certaine vie de malice dans la vie des femmes. Il y en a même qui vont utiliser l'enfant comme un rideau entre elle et le monsieur. Quand tu veux essayer, tu vas voir les cris de l'enfant. Des fois même, il y a des enfants qui sont vraiment majeurs et qui sont couchés là-bas. Et chaque fois que non, je vois mes règles. S'il te plaît, regarde la misère, la tête misère de monsieur. Mon mari là-haut, tout ce que tu dis là, il obéit. Tu ne vois pas que ses oreilles sont en train de s'écarter de sa tête. Il dit, c'est ton comportement là. Si on regarde, c'est comme si une serpent de Christ. Et même nous les pasteurs là, certains lorsqu'elles viennent devant nous, si c'est pas parce que Dieu nous a donné la sagesse. Donc en accusant son mari, si vraiment tu n'es pas avisé, tu vas donc donner tort à ton mari. Elle va venir se comporter comme une angélique. Alors qu'à la maison, tu ne sais pas si c'est une déesse. La manière dont elle est venue avec vraiment son sac là. C'est pour cela qu'il y a certains hommes, lorsqu'ils sortent là, ils vont tout faire pour rentrer tardivement au moment où la bonne dame est en train de dormir. Est-ce qu'on peut gérer? Il faut diminuer un peu. Mets de l'eau dans ton vin. Il faut diminuer un peu. Même si personne ne voit, Dieu voit. Dieu voit, hein? Dieu voit. Voici mon don aussi. Je ne peux pas parler sans donc bifurquer dans les mains. Alors frère, je veux. Il y a certaines femmes là, on ne dit pas leur tort. Quand tu veux dire, elle est tellement habile en parole, elle va raconter de n'importe quoi. Et le monsieur s'éteint. Alors qu'elle sait clairement que le maçon qu'elle fait là, c'est un vrai maçon. Il y a un homme qui avait perdu son épouse. 2 ans, à l'espace de 2 ans. Il a eu une femme. Et il a commencé à avoir des embonpoints. Et les gens veulent féliciter le monsieur, mais quand tu le fais, on va dire que tu es un sorcier. Quelle heure? Écoute-la. Je veux que nous reconnaissons. Souvent même, Dieu peut donc permettre la mort pour que quelqu'un réussisse. Donc si un homme de Dieu est avéré et que vous le causez du tort, et alors que lui ne te retourne pas le tort, à moins que tu sois un démoniaque ou une démoniaque, il faut craindre cette personne-là. Parce que Dieu combat pour lui. Dieu combat en sa faveur. Parce qu'il y a certains même qui ne sont pas habiles en parole. Ça ne va pas parler. Il y a certains qui ne sont pas vraiment doués en parole. Il a même honte. Et on le charge. Et il a tout confié à Dieu.
Son Dieu va combattre pour lui. Son Dieu va combattre en sa faveur. Alors frère, les mamans qui sont la femme de pasteur, je vais vous parler juste un peu. Si vous êtes femme de pasteur, que vous ne vous trouvez pas une certaine sagesse. Maman, si je veux marier la tête là, donc je ne cherche pas la lumière, je ne parle pas de la lumière. Ah, ok. Donc, si je veux manger une tête là, moi je ne parle pas donc des yeux. Si vous êtes une femme de pasteur, si vous ne prenez garde, vous allez devenir une femme pourrie à l'extrême. Parce que lorsque le pasteur pose une petite action, on dit que non, entre le pasteur et sa femme, ils ne s'entendent pas. Il y a une querelle entre le pasteur et son épouse. Les gens sont vraiment compliqués. Même si l'enfant du pasteur fait quelque chose, les gens disent, mais est-ce que l'enfant n'est pas pasteur? Est-ce que vous avez vu l'enfant à l'école biblique? C'est parce que c'est le sang du pasteur. L'enfant du pasteur là. Je prie que mes enfants soient dociles. Et même si donc entre mes enfants il y a une d'entre elles qui va se faire engrosser, ça ne détruit pas mon message. Que moi-même je ne sois pas enceinte. C'est vrai. Hein? Parce que quand tu traverses ces épreuves là, tu ne prennes garde, tu vas pas naturel ton message. Écoute là. Si vous êtes femme de pasteur, il ne faut pas trop donc corriger le pasteur à l'extrême. Pasteur, ce que tu as fait à l'église, les gens vont en parler. Ma femme souvent me dit. Que si tu fais ça là, les gens vont te haïr. Je lui ai dit, prie pour moi. Si tu es pasteur, tu ne peux pas avoir tout le monde à t'aimer. C'est pas possible. Tu as des problèmes. Femme de pasteur, il y a des gens qui vont m'insulter dans les vies qui l'entendent. Bouge tes oreilles là. Je n'ai rien fait à quelqu'un. Que je sois donc à critiquer sur ma vérité. Il y en a qui vont se rendre compte que le pasteur c'est un serviteur de Dieu. Si vous êtes femme de pasteur, corrigez le pasteur, mais il faut modérer. Vous savez que la femme d'un homme de moyen, si vous ne prenez garde, vous pouvez dénaturer son ministère. Et si tu as un caractère, un vilain caractère, il faut que tu aies ton mari. C'est ton mari, certes, mais c'est le serviteur de Dieu. Attends, je me suis couché. Et j'ai vraiment bien étalé, j'ai dit à ma femme, couche sur moi. Et fais-moi tout ce que tu veux là. Ta main. Et elle a fait. Je me suis levé. Je voulais donc lancer quelque chose. Je lui ai dit, souvent quand tu fais, je me tais là. C'est parce que je crains Dieu, sinon je ne te crains pas. Souvent, il faut poser de telles actions pour donc conscientiser certains. Sinon, c'est tellement pauvre. Parce que c'est dans la même maison, même chambre, même lit. Il y en a même qui vont même insulter leur mari. Le traiter de telle manière. Donc, tu as fait ceci, tu as fait cela. Alors frère, la Bible a dit clairement, la femme doit honorer son mari tel qu'elle honore le Seigneur. Est-ce que c'est ainsi? Est-ce que c'est ainsi? Il faut t'humilier davantage. Humilie-toi davantage. Alors frère, je voulais vous demander, si Dieu vous donne une femme, je voulais vous demander au nom de Jésus. Vous pouvez même gérer la femme. Et des gens de loin
disent que vraiment tu as des problèmes. Les gens connaissent bien les caractères de la femme. Je veux donc vous faire savoir que lorsque tu gères une personne caractérielle, les gens arrivent donc à mesurer ta tempérance et la sagesse que tu as. Donc c'est Dieu qui vous a donné pour bien gérer. Dieu vous a donné également des jeunes filles et des jeunes garçons. Je parle ainsi parce que des hommes malicieux. Ils font du mal à la femme et ils ne veulent pas que les gens sachent. Les gens ne savent pas. Mais Dieu est au courant. Même au-delà de ça, tu as mis au moins des filles, non? Tu veux qu'elles aillent vivre paisiblement. C'est que tu as fait là. C'est que tu fais là. Donc on va t'attribuer donc un méchant type à ta fille. Il va bien gérer la fille. Quand elle va venir te raconter, tu vas donc verser des larmes. Ce que tu as fait là, c'était une chimpagère, non? C'était la fille de quelqu'un. C'est pas une chimpagère. C'est la fille de quelqu'un. Ta fille aura des problèmes. Les enfants, jeunes filles et jeunes garçons, je vais vous demander, écoute très bien, humiliez-vous devant vos parents. Donc même si tu es à bord d'avion, il faut être toujours humble devant tes parents. C'est eux qui ont voulu donc t'inscrire à l'école qui l'ont fait. Est-ce que tu es né à l'école? C'est des gens qui t'ont inscrit à l'école. Il y a de ces enfants qui sont des vampires. Ils ne veulent pas considérer leurs parents. Même les pasteurs ne veulent pas les respecter. Humilie-toi, respecte ton papa, ta maman et respecte le pasteur. C'est ça le visa de la bénédiction de Dieu. Si tu vis dans cela, personne ne peut t'empêcher la de réussir. Mais si tu es un rebelle, kala, d'ici là seulement, sida, tu vas te marier. Para, tu vas marier ta femme. Dieu va se taire. Tu vas mettre au monde des petits rebelles. Et en temps, tu vas vouloir fuir la foule. Parce que c'est les conséquences de tes actions qui reviennent. Ça va venir, hein? Ça va venir. Il y a un enfant qui va frapper son papa. Les gens disent que c'est pas normal. Il y a un vieux qui a dit. Les gens disent que c'est qui ça pas. Il avait aussi frappé son papa. Son enfant ne peut pas s'empêcher de le faire. Tout ce que nous faisons là, ça nous revient. Ça ne va nulle part. Un monsieur est décédé à Kaya. On a amené le cercueil dans l'église. Le pasteur était en train d'embellir sa renommée, que c'était un homme de Dieu, donnant son témoignage avec l'éloge. Alors que le jour de décès ou de mariage, il y a beaucoup donc de gens qui viennent. Donc le pasteur l'a vraiment embelli et l'a même introduit au paradis. C'est vrai, hein? Si vous vous levez là, mettez-le au paradis. Il ne faut pas donc gâter votre nom gratuitement. Ceux qui sont morts là. Et on dit qu'ils se reposent, je ne suis pas allé voir. Tous ceux qui vivent là, s'ils ne sont pas tous de Dieu, ce n'est pas tous ceux qui sont morts également qui l'élèvent de Dieu. Il parle pour avoir la paix seulement. Quand le pasteur s'est levé, il a fait le culte, il a donné un bon témoignage. Il se repose auprès du Seigneur. Il y a un musulman qui s'est levé dans le milieu de la semaine. Il dit, mais s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Les gens disent bismillah. Il a enlevé son bonnet blanc. Il s'est approché du cadavre. Il a dit, c'est pas ce que le pasteur dit. Mais concernant lui là, il n'a même pas quitté le lieu. Il n'a pas bougé. Nous, c'est ce qu'il fait. Il n'a même pas bougé d'ici. Le pasteur peut se lever donc vous introduire au paradis. Ce n'est pas parce qu'on a prêché de Bouddha que tu te reproches que tu vas aller. C'est ce que tu vis avec ton Dieu. Si ta vie n'honore pas Dieu, tu n'y rentreras pas. C'est ça. C'est la vérité.
Mabi pose. Sir. That le on goma gomne yelam yales. Vera mene une autre chose pour raji. Raji ni kaman power de baba wate kamaji. Faut pas asseoir les enfants, humilier leurs parents. Yam saman wato kama watampana no baba wa. Si vous faites ainsi, les enfants vont pas respecter leurs parents. Même si votre mari ressemble à un vaurien, quelqu'un qui est un vanupieux. Vaurien un bébé wawa. Tu vois, il est là là. Donc il est là non? Ça vaut mieux que rien. Il résout le problème. Parmi ici de Bandeng Taura, les femmes qui ont perdu leur mari. Il y a certaines femmes, si le mari pouvait donc revenir, la manière dont elle va serrer entre ses mains le mari. Il y a des caractères qu'elle va mettre de côté. C'est Dieu seul qui sait le nombre qui va évaluer. Donc il y a certaines femmes, lorsque les enfants grandissent, elles s'attachent plus aux enfants et laissent maintenant le monsieur dans la misère. Si ce n'est pas grâce à moi, vous, c'est votre papa, qu'est-ce que vous le connaissez? Soyez sage. Hein? Soyez sage. Que Dieu vous donne une meilleure fin. Je vais vous demander, si vous sortez, ne critique pas trop. Hein. Donc, dites seulement, le pasteur ressemble à un serviteur de Dieu. Que Dieu vous donne le paradis. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul, je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.